TNEB et une pression opposition t'a demandé population avec chauffeur pour te battre jeudi à pour protester contre insécurité avec kidnapping. Nous avons souligné avec nous Renan Toussaint qui a fêté l'anniversaire jeudi à tout et ben Renan m'a d'abord bonne fête et qui j'ai actualité allié dans le pays d'Haïti jeudi à. Alors, allô. Nous avons difficulté pour nous entendre, Renan. Donc, Renan va attendre nous. Bon, nous avons des difficultés techniques pour nous entrer en communication avec Renan. Eh bien, nous pourrons aller joindre Yves Manuel. D'abord, nous parlons d'Emmanuel lui-même qui parle nous des dernières décisions que si problème technique dans les autres, n'a été sur Renan encore, mais nous parlons d'Emmanuel lui-même qui est dans Port-au-Prince et qui parle nous de décisions que l'autorité prend pour à partir de demain samedi 6 mars là pour toute machine pas gain là-dedans pour pas gain pour retirer toute bagaille qui empêchait moun ouais dans machine là. Emmanuel pour plus de détails. Jean gouvernement pour évoquer permis machine vite teinté à partir samedi ça dans l'idée pour combattre insécurité à kidnapping dans pays arrivé à point nommé selon citoyen ça li fait connait mais ça t'est devenu depuis bien longtemps. Bon, li capable porter effet positif comme ça tout capable porter effet négatif dépendamment de façon que yo aborder li. Donc nous souhaitons que li porte vraiment une solution et que vraiment c'est pour protéger citoyen yo, c'est pour que yo gagne contrôle mon secteur que mon cap impliqué comme citoyen en pile fois moi même pour ma activité moi professionnelle moi par exemple en fait en pile la pérèse depuis moi on vit tété ou debout sur moto ou sur machine ou on vit tété même il y en a de même pour toute l'autre citoyen yo peur yo pas vle de camper même la police lui même de jouer rôle tout parce que même des mon policier yo peur. Disposition ça a pas suffi pour combattre phénomène là d'après ça l'autre Port-au-Prince estimé majorité cas kidnapping qui signalé yo impliqué machine plaque service l'état d'après ça déclaré pendant la fumée même gouvernement t'a impliqué à fond dans question kidnapping là on n'a pas attendu amélioration dans la mesure où mesure pour annuler permis de tête là n'est pas concerné machine l'état yo et encore ces machines l'état yo en grande partie qui opère kidnapping yo si toutefois ces machines l'état qui opère kidnapping yo également pas attendre une amélioration de la mesure où machine l'état pas concerné des machines officielles yo pas concerné des mesures citoyens yo montré yo inquiet par rapport à l'idée pour mais ça t'a abouti à résultat dans cadre bataille cap mené contre insécurité générale dans pays a pour résultat. M'arrête quoi rien parce que nèg c'est tout improvisé les abdi on bagaille pas même calculer ça abdi a tout improvisé m'arrête n'a aucun résultat de ça premier ministre à chaque fois la parler son blague la baille reprendre ça me dollar moi m'arrête quoi rien qu'a prophète alors que date application mais juste en peu de temps mais quelques propriétaires machine commencer à déteindre vite machine yo kidnapping c'est un fléau qui a plongé société haïtienne pendant dernier mois ça chaque jour bon Dieu mettez bien pour pipiti yon cas qui signalé selon statistique organisation cap défendre droit monyo Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour la voix de l'Amérique. Merci Yves Manuel. L'autre point qui s'est abdominé actualité, on connaît que le gouvernement prend des décisions côté que on demandé pour machine yo pas tété encore à faire machine qui invite filmer pour mon parce qu'il a dans l'autorité de prendre des mesures pour empêcher que ça fait à partir de samedi et il semblait même autorité commencer même fouiller machine à partir de depuis en fait question certain monde depuis hier même ils commencé fouiller machine et je dis à la police à fouiller machine nous gars avec nous et soulignant et révérend alors on dit docteur et Gérard et Forge lui-même qui c'est responsable en fait c'est membre fondateur d'une association de la Santa Carole et commission protestant contre kidnapping avec corruption et gouvernement ça c'est prend mesure pour les combattre kidnapping avec corruption. Est-ce que pasteur Darren Abdi et pasteur Gérard Forge bienvenue sur la voie de l'Amérique. Bienvenue salut Jean Aubert et nous contents pour nous participer à l'émission ça à soya.
Pasteur Gérard Ford, est-ce que ou même est-ce que vous conseillez citoyens pour que est-ce que vous conseillez citoyens pour que vous même vous suivent l'ordre ou bien suivent encore mesures que le gouvernement a adopté pour les combattre corruption, pas tellement corruption mais au moins kidnapping là avec sécurité là dans les mesures que vous prenez là, est-ce que vous encouragez citoyens pour que vous suivent l'ordre ça? Normalement, position commission protestante contre kidnapping, injustice, insécurité et éducation en Haïti, nous-mêmes, la communauté protestante, là, alors, question posée, nous n'avons pas obligé de répondre, mais nous comptons tout kidnapping dans le pays, mais il faut que nous soyons capables de dire tout, position nous par rapport à M. Jovenel, que nous ne considérons pas comme président dans le pays, pour nous-mêmes, tout le temps, et ça, la PC est fait. Pour nous-mêmes, li pa gen qualité pour le prendre mesure ça yo. Bien que nous connaissons mesure ça yo, t'es prendre depuis auparavant. C'est pas connu pendant que n'a fait manifestation, n'a dénoncé insécurité, kidnapping, la prend des mesures. À la minute que nous obéissons à l'abdiola, c'est que nous reconnaissons comme président, tandis que loi électorale là, article 64 là, point tiré de, dit que le mandat Jovenel fini. Et c'est l'équipe Jovenel qui établit le kidnapping dans le pays. Il a parlé de l'aspect machine qui a marché pour le monde. Et tout le monde connaît ces machines officielles. Ces machines qui dans l'État qui a marché pour le monde. Premier bagage que vous avez fait, c'est toute machine officielle nette que vous avez retiré tête là-dedans. Et puis tout le monde garde le manger. Donc ce n'est pas machine privée qui a marché pour kidnapper le monde. Donc, mesure ça, nous pas gain problème que oui pour nous capable d'épargner kidnapping non faut que pas traiter machine yo mais premier monde qui pour pas traiter machine yo faut que c'est gouvernement parce que c'est membre gouvernement yo toujours accusé monde qui dans l'état yo qui avec machine officielle qui mettait pays en question d'affaire gang à marcher kidnapper monde donc mesure ça yo pour moi-même. Et nous-mêmes dans le secteur protestant, nous conscients qu'il y a un bagage qui drôle qui passe en Haïti. Tout ça que nous sommes capables de faire pour nous et panier le peuple pour subir et son kidnapping. D'ailleurs, ce peuple qui a kidnappé, il n'y a pas kidnappé les gens qui ont gros position ni dans le pouvoir. Alors, donc voilà pourquoi, mais Dieu, ça lui prend trop tard et bien que le nécessaire. Pasteur Forge. Il y a une question que tout le monde a posée, c'est surtout il a demandé, mais toutes les démarches que nous-mêmes avons fait nos positions, nous avons demandé, nous ne pas reconnaître l'autorité gouvernement, nous ne pas reconnaître le président Jovenel Moïse encore, parce que le mandat est fini. Et bon, qu'on sait qu'il a, ça que les réalités, la réalité du pouvoir, qui ça nous pas fait, ou qui ça nous doit faire, si pour la remettre pouvoir, si nous avons expliqué comme ça, qui ça nous pas fait nous-mêmes, ou qui ça nous doit faire en temps réel? Ça nous demande nous-mêmes. Nous connaissons Jovenel, c'est pas lui-même qui kembe tête là, c'est une frange dans la communauté internationale là. Et c'est pas fait nous-mêmes, nous faisons des marches pacifiques, même la Martin Luther King de Confel, jusqu'à ce que y ait une justice. Et c'est ça lié. Nous connaissons le peuple américain, c'est un peuple immoral, y'a quoi dans la démocratie. Le Canada, la France, grand pays ça y'a quoi dans la démocratie. Mais pour qui ça? C'est Haïti, y'a pas voulu. Bon, en fait, on va connaître qui conclusion avec M. Joseph qui fait Kembe Maricus avec Jovenel. Comme c'est eux-mêmes qui Kembe, c'est ça fait une marche pacifique. C'est par exemple, Mme Lalim te dit que c'est pas grâce à deux mouns qui prennent la réactive contre Jovenel. Mais dimanche, là, moi, pour sous direction protestant, nous te mettons plus qu'un million de mouns dehors. Et pacifiquement, pas de casque. Pas de machine crasée, pas de crasée brisée. C'est une façon pour nous dire que la communauté internationale là, nous n'avons pas besoin d'un dictateur encore dans le pays. Il y a un monde qui a cautionné. Ça veut dire tout ça, les méchancetés dans le pays, l'injustice, l'écraser toute institution. C'est lui-même seulement qui a dirigé le pays. C'est tout le bagage qui pousse nous-mêmes les protestants, que nous prenons la rue. Si nous n'avons pas de résultat dans la marche, nous avons continué à marcher toujours. D'accord. Et nous avons parlé d'affaires référendum, d'affaires élection. Pas d'élection qui est possible avec M. Jovenel. Parce que lui-même avait pas bouche à l'église. Tandis qu'il y a des gens qui sont capables de prendre pour voir ça dans le même temps que ce soit élection. Merci un peu. Qui gagne sécurisé comme ça.
c'est gang qui n'a payé. Comment nous ne pas faire sortir pour al voter parce que c'est la peur, c'est la erreur qui blaise son pays. Merci un peu. Merci un peu de passer à Forge. Merci un peu pour tirer ça. Nagui, t'as fait parler encore sur la situation politique dans le pays d'Haïti. Merci un peu de passer bon week-end. Nous prenons aller toujours dans le pays d'Haïti. Quand une balle correspondant, nous, Renan Toussaint. Renan Toussaint connaît que l'opposition est passée, ils ont, enfin, t'as qu'à dire un mot d'ordre pour te gagner, t'es nept, t'es bas, je dis, qui en ça t'est passé? Oui, Renan, qui en ça t'est passé? OK, ou en apokola ben n'a continuer avec actualité a. Gerline Joseph c'est un haïtien qui a dirigé organisation Haitian Bridge Alliance en Californie et il était parlé avec Sandra Le Maire sur travail l'a fait avec immigrants. Organisation Haitian Bridge Alliance que nous relé pont haïtien en Californie et avec États-Unis. C'est une organisation à but non lucratif côté que nous bail et aide humanitaire. Côté que nous faisons un pile action pour organiser la communauté. Hein? Et puis nous faisons un pile en façon pour nous capables et joindre moyens pour nous aider la communauté noire qui sort de Haïti avec l'autre pays qui gagne descendant Afrique. Par exemple, mon qui sort de Cameroun, mon qui sort de Ghana, mon qui sort de Eritrea, Éthiopie, avec tout l'autre pays, ça y est tout. Et puis nous focuser nous tout pour moun latino qui noir par exemple moun qui latino qui parlait anglais qui parlait espagnol mais qui sorti dans Amérique là et c'est comme ça tout nous ouvrir ça qui relait et Black Immigrants Bell Fund qui c'est un fonds que nous mettait sous pied pour nous capable aider immigrants noirs qui trouvaient dans centre détention immigration aux États-Unis. Parce que nous avons en pile temps, le monde noir, il est difficile pour jouer un avocat. Et puis, à cause de ça, tout, il vient jouer un juge qui baille un montant entre 5000 $ avec 50000 $ qui vient faire très difficile pour yon la guerre. Comme ça, nous cherchons moyen pour nous capables de soutenir. Yon. Alors, but Haitian Bridge Alliance pour Haïtien, c'est nous, pour nous capables de proposer aide humanitaire, aide financière, avec aide sociale, tout. Et puis aide légale pour les noirs qui sous frontière avec les gens qui sont dans le pays États-Unis. Voilà, c'était Gerline Joseph, c'est responsable organisation Haitian Bridge Alliance. Il était pas là avec collaboratrice nous, Sandra Le Maire, qui est déjà là à attendre nous tous. On a demandé Sandra, on a dit bonsoir Sandra. Bonsoir Jean-Robert. Bon, et Gagné et secrétaire. Département Sécurité Nationale, là, Department of Homeland Security, Alejandro Mayorkas, nous t'ai rappelé que c'est un Cubain américain que monsieur Yé, c'est le premier Cubain, c'est le premier Latino qui j'aime diriger agence gouvernement ça, et il c'est tout premier immigrant qui j'aime diriger agence ça. Eh bien, monsieur t'ai rencontré la presse pendant ce moment, et il t'ai parlé de travail que Département ça a fait sous question immigration, qui c'est une question qui préoccupait majorité américaine et il y a un article qui paraît dans la presse américaine chaque jour sous cause ça. Donc, le fait qu'on est que les joignent agence là tête en bas et désordre total et complet et après administration Trump là et qu'il y a travail 24 heures sous 24 Jean-Aubert pour y rectifier et remplacer méchanceté administration Trump là te mette dans loi immigration. Yo. Est-ce donc, que li gen question nous grande question immigration c'est une question qui que administration américaine tenu kembe à cœur son question après toujours est-ce que nouveau dirigeant dans Homeland Security a monsieur Mayorkas est-ce que lui-même l'a penché sous dossier ça? L'a penché sous dossier ça, il dit que il déjà commencé à travailler que employé Homeland Security yo a travaillé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et pour yo rectifier situation mais li gen un conseil pour moun ki sou frontière et k ap chercher entrée aux États-Unis. Li di nou fòk nou tann. Li di c'est ça pral prend temps, en pile temps pour que nous rebâtir système nan à zéro parce que li di que c'est à zéro y a commencé. Il dit que si moun yo décide que y a vini avec famille ou bien pour compte yo pour essayer traverser frontière
et les États-Unis obligés prennent en considération santé peuple américain et puis tout santé moun sa yo cap essayer traverser dans époque côté la bataille contre une pandémie coronavirus. Donc il dit que loi les États-Unis, loi qui en application kounye la, on loi qui relève titre 42 title 42 que santé et maladie américain passé, eh ben demander pour yo déporter moun sa yo. Donc il dit que si ou voulez entrer aux États-Unis, retetan pour que nous gantan faire un petit travail sous loi yo, sous processus là. Il dit que y a ajouté moun yo fait nommer une nouvelle commission pour travailler sous cause ça. Il y a un avocat qui travaille avec yo, il y a travaille avec NGO et ONG, ONG moi veut dire NGO en anglais, organisation non gouvernementale. Exactement, et puis tout avec quelques organisations communautaires, tant que par exemple organisation Guerline avec pour yo essayer prendre soin moun qui voulait prendre asile aux États-Unis. D'accord. Donc pour n'y pas venir retetan ces conseils que li bay. Merci en pile Sandra et passez bon week-end. Nous parlons de nouvelles. Renan Toussaint a présenté nous qu'on est là, grand point qui était devenu actualité pendant la semaine. Semaine lundi 1er pour arriver vendredi 5 mars 2021, l'ouvri a plus passé. Il y a une dizaine de médecins qui ont déposé un jet de fleurs en mémoire de Dr. Hans Pauli après une tentative de kidnapping, bandit et assassiné devant clinique li, dimanche 28 février 2021. Ça doit un signal clair par le gouvernement, moun kap dirige pays, hein, pour dire que bah n'est pas bon, faut qu'on halte. Faut qu'on autre qui fait pour dire que bah yo pas bon dans pays. Hein. Maintenant c'est vrai qu'il y a plein de monde nous pas yo kidnappé, grand plein de monde nous pas yo tué, que donc je dis on c'est capable docteur a compris mettre de monsieur capable ou même c'est capable moi-même. Docteur Reginald Boulos dit le regrette en pile le fait que autorité compétente yo pas prend décision appropriée pour résoudre phénomène insécurité à kidnapping. Niveau de révolte ça, révolte là c'est contre barbarie qui fait dans assassinat ça. Mais nous pas nous penser à docteur Paddy parce que nous sommes médecins même Javel et en pile dans médecin qui là aujourd'hui assez élève moi parce que m'ai enseigné pendant 14 ans dans la faculté de médecine et moi tristesse sous yeux yo comme homme politique nous déterminer plus que jamais pour nous goumer pour que nous changer Jean pays ça vivre là. Président Jovenel Moïse qui t'a accompagné même si CSPN a annoncé création une nouvelle cellule anti-enlèvement en dans pays d'Haïti. En temps réel, automatiquement que kidnapping en fait, nous-mêmes nous capables connaître et là ça collaboration population c'est lui-même qui pour nous ça n'a pas cherché. Un syndicaliste haïtien dit que le Bénissois qualifié de marche chef l'État comme démagogie. Gros chauffeur yo kidnappé dans zone APN non. Yo mandé près 5 millions de dollars pour lui. Nous mandé de rejoindre. Yo tiré dans pied. Et gain mettre propre gasoline qui m'a gagné sans syndicaliste tout. Gouvernement haïtien prend mesure pour déteinter toute vite machine excepté machine officielle code diplomatique à consulaire à palais national dans cadre lutte contre kidnapping. Cependant, observateurs attendent à ce que yo déteinte tout machine officielle à corps consulaire. Pendant ce temps, population dans zone quartier village solidarité te bloqué route aéroport international tout seul ouverture et puis boulé en pile caoutchouc dans entrée village là pour demander libération ou bien bayo cadavre délicien Gabo un policier USGPN qui a bail sécurité kay président Jovenel Moïse qui disparaît depuis mercredi 3 mars 2021. Elle était chez volé, elle était chez négasam. Nous allons s'il disparaît, nous allons s'il disparaît, nous allons s'il voler, nous allons nous reconnaître. Parce que s'il mourir, je ne veux dire, si nous prenons l'arrière, quoi nous besoin. Dossier politique, pasteur Gérald Bataille, qui est un organisateur match 28 février passé, dit content parce que tu as un pile monde qui fout le béton contre la dictature dans le pays d'Haïti. Avant match là, côté tout le monde qui a kidnappé, côté yo teye tout ministre yo tout moun t'a prêt des affaires élection yo mais population t'a mouri ça pas fait rien. Perspective pour semaine prochaine
Différents secteurs dans la vie nationale, l'Église protestante, Fédération Bao d'Haïti, pour citer ça seulement, annoncé à continuer à mobiliser contre insécurité, à kidnapping, à dictature, et puis tout, pour demander départ président Jovenel Moïse dans tête l'État, parce que, d'après Saoudi, mandat fini depuis 7 février 2021. Mais, on connaît déjà, c'est 7 février 2022, Lydie l'a remettre pouvoir, bail un président élu, cap sauté dans l'élection, lui prévoit organiser, dans fait l'année, ça. Moi, c'est Wena Toussaint, sous place, dans la capitale haïtienne, pour la Voix de l'Amérique. Port-au-Prince. Merci Renato Toussaint et bonne fête encore une autre fois. N'a dit que programme ça on a suivi sur toute plateforme yo sur VOA Nouvelle, gain nous sur Twitter, nous sur Facebook, nous sur YouTube. Donc continuez suivre nous. N'a dit que Sénat États-Unis gain pour voter dans week-end ça sur un gros plan sauvetage économique pour faire face carré avec pandémie coronavirus. Là, Serge Rodriguez pour plus de détails. La vie recommençait pour l'instant figure, ticasse par ticasse, au fur et à mesure, certaines régions, ici aux États-Unis, ont réduit mes restrictions qui étaient en place pour mettre contrôle sur la pandémie coronavirus, là. Restaurants commençaient à pour l'ouvrir portio, mettaient à quelques écoles et salles cinéma. Pourtant, malgré, ils ont commencé à distribuer semaine ça, un troisième vaccin, le gouvernement fédéral a approuvé tout partout sur le territoire américain. La population états-unienne continue de sentir un impact économique, fermeture, toute opération ça, yo. Presque une année après maladie COVID-19, la première déclarée dans le pays. D'après un rapport publié dans le mois de février passé, l'économie américaine a ajouté 49 000 jobs seulement, un chiffre qui pèse vite longtemps par ses quantités de jobs et spécialistes qui ont été prévoir. Chuck Schumer, c'est leader majorité démocrate dans le Sénat. Moun qui aime prendre précaution pour suivre les paroles qui sont dans le bouchon, fait nous connaître carré barré que l'économie américaine n'a pas comparé pour recamper sous deux pieds militaires et que gagne une gros incertitude sur relance activité économique dans le pays. Risque pour nous poser une action en toi, mais c'est plus grave longtemps parce que poser trop action. Plan sauvetage économique d'un trillion 900 milliards de dollars représente une pièce importante dans le programme national que le président Joe Biden proposé pour maintenir les États-Unis dans la position d'une force économique mondiale. Kessie Burgat, c'est un professeur dans l'université George Washington. Ça semblait que c'est plus près président Biden qui arrivait pour qu'il ait promesse qu'il était fait peuple américain pendant la campagne là. Il était basé dernière portion de campagne là sur l'idée pour reconstruire l'économie américaine n'a plus bien. Et il était assez honnête pour le dire, ça pourrait coûter en pile l'argent pour porter soulagement à tout le monde pandémie affecté financièrement. Cependant, les républicains dans le Sénat font comprendre beaucoup qu'un plan sauvetage économique ça n'a pas vraiment ciblé besoin de la population américaine. Sénateur Mitch McConnell, c'est leader minorité républicain. Démocrate seulement mettait à côté 9% dans beaucoup qu'un plan aura pour résoudre le problème de soins de santé et moins passer 1% pour vacciner le monde, de quoi pour mettre fin à un combat à mener contre la pandémie, parce qu'il y a besoin de serrer 91% de l'argent prêté ça pour financer toute une série de projets libéraux. Plan sauvetage économique, ça, pour allouer 1400 dollars directement, ben, travailleurs américains qui a touché un salaire 8 ou bien un salaire moyen. En plus de ça, ils pourraient mettre à côté 20 milliards de dollars pour renforcer campagne de vaccination tout côté net dans le pays. Joe Biden, c'est président des États-Unis. Pays, ça, pour avoir une quantité de vaccins qui nécessaire, vers fin mois de mai, cabine là. Serge Rodriguez, La Voix de l'Amérique, Washington. Relations Brésil avec États-Unis avec Marie-Louise Pierre. Monté Jair Bolsonaro est monté sous pouvoir dans le pays Brésil dans l'année 2019. Ça veut dire l'emmêlité by Donald Trump là, signaler décision Brésil te prend pour le faire États-Unis un allié important. Relation entre Bolsonaro avec Trump te peut-être semblé un petit casse-tancou, une caricature, l'on a regardé étant dehors, mais il représentait un changement radical. Pendant à peu près 20 d'années, Brésil t'a fait expérience d'un éloignement avec relations politiques liées avec États-Unis. C'est pas une question de amitié ou bien sympathie, mais dans 2 ans qui passaient, les relations commerciales entre deux pays t'ont amélioré et ça t'a fait alliance ça important. Dans le dernier jour, ancien président Trump sous pouvoir, plusieurs pays t'ont signé un pacte commercial pour réduire tarifs sous exportation et États-Unis te offrir investissement pour Brésil financer technologie 5G à travers pays. Les États-Unis, c'est deuxième plus grand partenaire commercial Brésil. Mais malgré amélioration relation yo, commerce entre deux pays ont baissé à 49 milliards de dollars année passée à cause pandémie coronavirus là. Mais
en bas politique États-Unis en vent tromplant, États-Unis t'a imposé tout tarif sous acier ak aluminium Brésil là. Surcharge ça sous acier ak aluminium là, tout bagay ça yo contrarié intérêt Brésil. Et pendant le gouvernement Biden là, c'est un comportement qui doit continuer. Les États-Unis doivent renforcer position ça et Brésil doit faire même pareillement. Président Biden te mette en phase sous question environnement et changement climat pendant campagne, ça qui mettait dans trajectoire collision avec intérêt leadership brésilien. Biden te critiqué Brésil pour cette augmentation du feu forêt avec déboisement dans Amazon avec un pile de bagaille. Réponse qui sortit bon côté Bolsonaro était mauvais en pile et il était même menacé pour commencer une guerre si diplomatie pas marché. Le ou pas gain salive encore ou doit gagner poudre à canon. Autrement ça pas marché. Ou pas même besoin d'utiliser poudre à canon hein, mais ou doit gagner. Ces déclarations président brésilien Jair Bolsonaro. Il y a quelques monde qui croit que ça pourrait arriver. Mais analyste dit Jair Bolsonaro risquait pour dommager relationné avec États-Unis s'il n'y pas adouci discours. Cependant, problème non pour Brésil, pas gain trop option. Brésil risquait pour l'isoler dans le monde là. Donc nous attendons à ce que Napoué Bolsonaro accepte quel que soit sa administration Biden n'a présenté en termes de compromis environnemental jusqu'à fin année. Depuis Bolsonaro était monté sous pouvoir, li te refuse quoi que Amazon n'a fin déboisé. Bolsonaro te voye yon lettre by administration Biden nan pour offrir pour discuter quelques nouveaux politiques pour Amazon nan. Mais, porte-parole Maison Blanche Lan Jane Psaki, dit journaliste yo, Brésil pas pral yon priorité nan premier année nouveau administration an. Marie-Luce Pierre, La Voix de l'Amérique, Washington. L'autre point de l'actualité, le président Joe Biden demandé responsable placé à l'administration Nian pour aller sous frontière États-Unis partagée avec Mexique pour informer sur réponse gouvernement à bail quantité minière qui a entré dans le pays à sans famille. Président besoin qu'on ait des masques qui doivent entreprendre pour sécurité minière Sayo, d'après déclaration porte-parole Maison Blanche, James Saki fait dans la presse jeudi 4 mars là. Pape François a commencé jeudi vendredi à une visite 4 jours en Irak. C'est le premier voyage un chef de l'église catholique fait en Irak côté l'histoire rapportée du prophète Abraham te prend naissance. C'est le premier voyage sous un pontif la fait dans un pays étranger depuis la pandémie COVID-19 là. Pape François a pu le rencontrer dans la ville Saint-Nahaf, grand ayatollah Ali al-Sistani, leader religieux influent musulman. Yo. Souverain pontife là après tourner Vatican lundi qu'a venir là. Néo-zélandais yo couri al pour refuge dans monde après une série de tremblements de terre puissants provoqué un tsunami dans côte SPIA. Autorité a annoncé plusieurs milliers